Prière en faveur des âmes du purgatoire pour le jeudi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je vous supplie par le très saint corps et le très précieux sang que Jésus, votre divin Fils, a donné de ses mains à ses apôtres la veille de sa passion pour leur servir de nourriture et de breuvage, et qu'il a laissé à son Église pour être un sacrifice perpétuel et la nourriture de son peuple fidèle, de délivrer les âmes du purgatoire, et en particulier celle qui a été la plus dévouée à ce mystère d'amour, afin que dès maintenant, dans la gloire éternelle, elle vous loue et vous bénisse pour ce prodige d'amour. Ainsi soit-il. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Des profondeurs je crie vers toi, Yahvé, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive à l'appel de ma prière. Si tu retiens les fautes, Yahvé, Seigneur, qui subsistera? Mais le pardon est près de toi, pour que demeure ta crainte. J'espère, Yahvé, j'espère de toute mon âme, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus que les veilleurs l'aurore. Qu'Israël attende Yahvé. Car près de Yahvé est la grâce, près de lui, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que, sur eux, brille sans fin ta lumière. Salut, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, et notre espérance, salut. Vers toi nous élevons nos cris, pauvres enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Tourne donc, ô notre avocate, tes yeux miséricordieux vers nous. Et, Jésus, le fruit béni de tes entrailles, montre-le-nous après cet exil. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Soyez leur propice, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leur propice, exaucez-nous, Seigneur. De tout mal, délivrez-les, Seigneur. De votre colère, délivrez-les, Seigneur. De la sévérité de votre justice, délivrez-les, Seigneur. Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les, Seigneur. Des ténèbres effroyables, délivrez-les, Seigneur. De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les, Seigneur. Par votre incarnation, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte nativité, délivrez-les, Seigneur. Par votre nom très doux, délivrez-les, Seigneur. Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les, Seigneur. Par votre profonde humilité, délivrez-les, Seigneur. Par votre grande obéissance, délivrez-les, Seigneur. Par votre amour infini, délivrez-les, Seigneur. Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les, Seigneur. Par votre sueur de sang, délivrez-les, Seigneur. Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les, Seigneur. Par votre couronne d'épines, délivrez-les, Seigneur. Par vos très saintes plaies, délivrez-les, Seigneur. Par votre croix et votre passion, délivrez-les, Seigneur. Par votre mort ignominieuse, délivrez-les, Seigneur.
Par votre sainte résurrection, délivrez-les, Seigneur. Par votre admirable ascension, délivrez-les, Seigneur. Par l'avènement du Saint-Esprit Consolateur, délivrez-les, Seigneur.